sur l'émission De Vive Voix sur RFPP 106.3. On espère que vous allez bien et que l'été démarre bien. Nous continuons l'émission commencée le mois dernier avec Fatou, Jérémy et Aïda qui interviewaient Aya Sissoko. Aya Sissoko, triple championne mondiale de boxe, mais aussi autrice de deux ouvrages, Dambé et Enba, et également actrice. Très bonne écoute. Ça va? Bonsoir Karima. Oui. Coucou. Ah. C'est bon. Bonjour. Coucou Karima. Ça va? Oui. Et toi Karima? Ça va bien, merci. Merci. Ah, merci. Super. Super. Alors Jérémy ne pourra pas aujourd'hui. Oui. Donc Aïda, tu vas être toute seule avec Aya. Ah, d'accord. Ça. Quel privilège. Oh là là, trop la chance. Voilà, désolée, tout à l'heure, on était en pleine peinture. Ils avaient la peinture partout. Tout à l'heure, quand vous appeliez, c'est vrai. On a été trop rapide, ils étaient en train de faire de la peinture. Attends, Aïda, c'est une chanson. Oui, après, t'as fait de la peinture, Aïda? Oui. T'as fait quoi, un dessin? Bah, en fait, au début, c'était pour Miyako. On devait se laver les mains avec la peinture. Ouh là là. Ouais. C'était de faire la technique de lavage des mains avec la peinture. Oh là là! Ouais. Et après, on a mis nos mains sur la feuille et après, ça fait notre œil. Bah, c'est super joli. Attends, on va te montrer. Vas-y, montre, Aïda, montre. Et ça va, Fatou? Ils en ont pas mis partout? Ah ouais, je les suivais de près. Hein. Ouais. Ouais. Ça a été, Karima? Ça va, merci, ça va bien. Je vais chercher Anne, je reviens. D'accord. Bonjour. Oh là là, c'est ta main? Oui. Oh, elle est grande. Ah bah. Oh là là, elles sont belles les couleurs. C'est beau. Magnifique. À force d'appuyer, ça fait de grandes mains. C'est magnifique. Dis, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Coucou Youyou. Salut. Allez où Youyou? Elle se promène. Qu'est-ce que tu fais? Elle descend. Descend, descend. Elle cherche à manger. Elle cherche. C'est l'heure du goûter. L'heure du goûter, c'est ça. Aïda, elle a fait un tour jaune. C'est bon, Karima, elle l'a vu. Maintenant, c'est au tour d'Aïda. Attends. Oh, c'est beau, Aïda. Ah. Magnifique. Ouh. Ils ont fait de la peinture. Génial. Il y a Anne. Bonjour, Anne. Bonjour. Vous allez bien, Anne? Ça va et vous? Ça va. Ça y est, Yaku. On a vu la peinture, ça y est, tu vas la ranger. Salut les enfants. Non. Oh là là, il y a Youyou qui veut participer au Zoom. Oui, je pense qu'il y a Youyou aussi qui veut participer. Tiens, vas-y. Coucou Youyou. Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour. Bienvenue. Vous êtes beaux tous les trois. Merci. Oh là là. Ah non, les gars. Aïda, ça va. Elle est plus tranquille, mais les deux. Ouais, bah oui. Ah, ils sont plus petits aussi. Ah, oh là là, Anne, c'est. Ouais. En plus, c'est des garçons. Oui. Ah là là, c'est dur. Hein. Ah ouais. Allez, Aïda. Ouais, ça va les garçons? Allez. Ça va, Aïda? Aïda? Ouais. Oui, ça va. Tu vas bien? Oui. Mets-toi devant l'écran, Aïda, on ne te voit pas. Oui, Aïda, mets-toi à l'écran. Laisse-moi là. Alors, comment ça va-t-il? Bah, écoute, ça va bien. Et vous? Bien, ouais. Super. Super, bon, super. Nickel. Et toi, Aïda, ça va?
Oui, ça va. Bah ouais, parce qu'enfin, hier, on ne s'est pas dit au revoir correctement. Hein. Oui. Elle va bien, ta maman? Oui, elle va bien. Okay, bah, la salut, au revoir. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ah, pardon. Je ferai comme Jérémy, on se tutoie. Ça... Bah oui, on peut se tutoyer, bien sûr. D'accord, merci. Bah, de rien. Ta fille, elle va bien? Elle va bien, Dieu merci. Ok, bah, super. Et ça va, Karima et Anne, vous allez bien? Super, ouais, super, ça va bien. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et donc, c'est encore Jérémy qui est en retard, c'est ça? Bon, alors, en fait, Jérémy, il a eu un petit problème. Il ne pourra pas finir le Zoom avec nous, là. D'accord. Donc, on va finir avec Aïda. D'accord. Alors, Aïda? Oui. T'es prête? Oui. T'as d'autres questions? Allez, une petite question pour finir. On peut peut-être reprendre. Tu disais, là où ça a coupé, Aïda, tu sais, tu racontais à Aya que tu avais vu un extrait du film. On peut peut-être reprendre là, si vous voulez. Très bien, bonne idée. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le film que tu as vu, Aïda? Bah, il était bien et émouvant. Oui. Voilà. C'est maman qui a aimé. Et maman, elle avait dit aussi qu'elle avait trouvé très, très bien l'actrice qui jouait la maman. Oui. Hein? C'est ça? Oui. Oui, Amutati. Tatiana Roro, c'est ça? Ouais. Maman? En fait, elle s'appelle Tatiana Roro. Oui, voilà. Mais elle a... Mais, c'est aussi l'actrice, enfin, d'Amutati. C'est ça. Amutati. Bah, écoute, c'est vrai qu'elle est géniale. L'avoir choisie, ça a été une très, très bonne idée, je trouve. Elle est géniale. Ouais, c'est vrai qu'elle livre une super performance et qu'elle est hyper émouvante. Et, Elle est juste aussi. Enfin, elle est juste, elle est tout en retenue. Moi, j'ai vraiment aimé son interprétation. On projette carrément le personnage, tu vois, de ta maman. D'une certaine manière, elle porte le film sur les épaules. Non, c'est une très bonne actrice. Est-ce que dans le film, il y a des choses... Enfin, alors, c'est un peu plus ta maman qui va peut-être répondre à cette question. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, effectivement, où elle s'est reconnue dans le film? Je ne sais pas, par exemple, Dame B, etc. Satou, elle sait ce que c'est que le... Enfin, elle a bien évidemment entendu parler du Dame B, déjà. Oui. c'est vraiment central. Enfin, c'est quelque chose de tellement central dans la culture malienne que... Que voilà, tu peux pas ne pas avoir entendu parler du Dame B. Hein. Du Dame B, oui, c'est pas possible. Si, si. Et justement, toi, est-ce que tu essaies déjà de transmettre ça à Aïda? Ils sont en train de se battre. Passez là. Pas de problème. Shine like a candle under the electric sun. Vous êtes bien sur RFPP 106.3. Vous écoutez De Vive Voix. Soleil de vote, néon de lune, la nuit vivante ici. J'ai laissé ma plume. Moi le train de savate, en carte combatte, couché sous le coussin de kilowatt. Mon corps une dynamo sans fil, ma peau thermolactile. De basse, pas qu'on a bruit. 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 Pas qu'on a bruit, Sandré. Non, oui, tout, pas qu'on a bruit, Sandré. Shine like a candle under the electric sun. Naïe, il brille comme des bougies sous le soleil de vol. Shine like a candle under the electric sun. De nuit, réagit qui paraît bougie. Masque pour les oiseaux de nuit. Under the electric sun, we're moving till the break of dawn. Under the electric sun, we're moving till the break of dawn. Under the electric sun, we're moving till the break of dawn. Under the electric sun, we're moving till the break of dawn. Under the electric sun, we're moving till the break of dawn. Under the electric sun, we're moving till the break of dawn. Under the electric sun, we're moving till the break of dawn. Under the electric sun, we're moving till
Neutraliser nos besoins sur des torrents décibels. Les mots font des étincelles. Aya Sissoko en compagnie de Fatou et Aïda. Oui, j'essaie vraiment de transmettre tout ce que j'ai appris aux côtés de ma mère, Aïda, et la culture. Vraiment, voilà, je lui en parle. Dans les gestes plutôt, voilà. Voilà, bah pareil que ma mère, tu vois, là, ouais. En fait, on se retrouve aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que moi, je demandais à ma mère, mais maman, c'est quoi le dambé, moumbé, dambé, timoumbé, nabé, elle répondait jamais. Oui, c'est ça. Je disais, mais précisément, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement, oui, non, elle ne pouvait pas te dire exactement ce que c'est. Exactement, et c'est là, en fait, où je dis que le dambé, c'est vraiment quelque chose, finalement, en fait, c'est une forme de sagesse que tu accèdes avec, à laquelle tu accèdes avec l'âge. Oui, avec l'expérience, en écoutant aussi les plus âgés, l'expérience au fait. Oui. Plus tu t'approches à un moment. Exactement. Dire. Ouais, c'est ça. Plus tu accèdes à cette sagesse, c'est complètement dingue. Mais bon, c'est génial. Effectivement, c'est ce que Aya dit, c'est vrai. Maintenant, je me rends compte de beaucoup de choses dont me parlait ma mère. Voilà, parce qu'à l'époque, je lui demandais, maman, pourquoi ci, pourquoi ça, exactement comme la maman, elle ne pouvait pas me répondre. Et maintenant, j'ai les réponses à toutes ces questions que je me posais. Ouais. Exactement. C'est vraiment un parcours initiatique, en vérité. Oui. C'est-à-dire, il commence bien évidemment quand tu es tout petit. Hein. Oui. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que tu nourris d'année en année, en vieillissant, finalement. Oui. C'est ça, voilà. Et en vieillissant, en prenant de l'âge. Enfin, bon, le temps fait son affaire, quoi. Voilà. Exactement. Et jusqu'au bout, de toute façon, tu continues. Ouais, tu accèdes, jusqu'au bout, tu t'approcheras un peu plus de cette vérité. Oui. Mais bon. C'est vrai que le bagage que nous donne la mère, c'est super important. Ça se retrouve dans ce que vous dites. Et nous qui avons Aïda en atelier théâtre, on se rend bien compte que déjà, elle a beaucoup, beaucoup de valeurs qui lui ont été transmises. Ça se sent. Et c'est vrai qu'on grandit du coup avec ces valeurs-là. Ça se sent dans le groupe, avec les autres. C'est important, surtout le rapport avec les autres, on insiste beaucoup dessus. Ouais. C'est comme des graines en fait que les mères plantent et qui fleurissent en fait. Voilà quoi. Exactement, mais c'est vrai que le dambé, c'est vraiment la conscience de l'autre aussi. Finalement, la conscience de ce que l'on est, parce que de toute façon, si on ne sait pas ce que l'on est, on ne peut pas bien donner aux autres. Aux autres, oui. Mais c'est vrai, c'est vraiment en fait cette conscience de soi et cette conscience de l'autre, c'est primordial finalement. Ouais. C'est vraiment de toute façon, on ne peut pas se faire tout seul. En fait, on n'est rien quand on est seul. C'est-à-dire que même celui qui a réussi, aussi égoïste qu'il soit, s'il n'a pas quelqu'un d'autre pour constater ce qu'il est, c'est possible. Mais bon. Ensemble, tout ça. Bon.
On peut en discuter, mais tu sais, le dambé, on peut en discuter des... Oui, oui, voilà, on n'arrête pas, c'est tellement profond. C'est philosophique, en vérité, c'est vraiment quelque chose de philosophique, tu vois, où ouais, tu dis... Ouais, c'est sans fin. Ouais, c'est très profond. C'est sans fin. Donc, Non, mais j'allais dire, c'est sans fin, c'est bien pour un mot de la fin. C'est sans fin et c'est bientôt la fin, quoi. Ouais. Aïda, tu veux réagir là-dessus ou pas? Aïda. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on laisse Aya Oui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, toi? Oui. T'es pas obligée, hein? Ouais, pas obligée. Oui, t'es pas obligée. Question, t'as oublié ta question? Oui. Bah, de toute façon, Aïda, t'inquiète pas, de toute façon, on va se revoir. Oui, on la remet à la prochaine fois. Voilà, on va se revoir. D'accord. et y a aucun problème. D'accord? Oui. En tout cas, je répète la même chose. Enfin, bravo en tout cas pour ce que tu fais. Merci. Bravo, voilà, pour le travail qui est le tien. Bravo d'être impliqué aussi. Parce que tu vois, ça fait quand même ça va faire la dernière fois qu'on s'était vu, c'était à la bibliothèque Sorbier, ça fait au moins 2 ans. Oui. Et voilà, donc tu es encore là. Tu t'accroches et ça, c'est formidable. Merci. C'est vraiment formidable et donc ne lâche rien. D'accord. Bah, c'est grâce à Kariba, Anne et puis Aya Sissoko. Et à vous. Et à vous aussi. Non, mais c'est vous aussi parce que de toute façon, on ne va pas se mentir. On sait que les parents aussi ont un rôle très, très important. Ouais. On peut dire ce que l'on veut, mais comme je dis, il y a les parents et puis après, bien évidemment, il y a les gens qu'on va rencontrer aussi à côté, enfin tout au long du chemin. Mais les parents aussi ont un rôle très, très important. Ouais. Voilà, donc bravo à vous en tout cas. Et Aïda, tu ne lâches rien. Bravo à toutes. Tu t'accroches, tu lâches rien. D'accord. En tout cas, je te dis à bientôt. Merci. Et en tout cas, merci à toi aussi. Hein. Merci beaucoup, Aya. Merci, Aya. Mais non, c'est moi qui te remercie. Oui, moi, c'est Fatou, Aya. Oui, je sais, Fatou, t'inquiète pas. En plus, ma grand-mère s'appelait Fatouma. Donc... J'ai la mémoire. Ah, bah voilà, je donc, disais voilà, à Karima, j'ai la mémoire, je perds de plus en plus. La mémoire, c'est... Avec les garçons, vous avez vu tout à l'heure. Oui, non, mais j'ai vu, mais en plus, ma grand-mère s'appelle Hatouma, donc je ne peux pas oublier. Ah, bah oui, c'est la même chose, oui, oui. Exactement. Donc, en tout cas, bravo à vous. Et puis, de toute façon, merci beaucoup. À bientôt. Et voilà, de vive voix, c'est fini pour aujourd'hui. On vous souhaite une très belle journée sur les ondes de RFPP, bien sûr. À très bientôt, dans un mois, pour notre dernière émission de l'été. Vous êtes bien sur RFPP 106.3. Vous écoutez De Vive Voix. Non, c'est pas eu que fazer. Nem sei como te dizer. Cada vez que me chegas, me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua.
olhar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar. Quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, are, ei, oh, ei, oh, areia, oh, ei, are, ei, oh, ei. Apesar de...